chrétienté. Servez le Seigneur dans la fidélité. Craignez Dieu et au moment favorable, Dieu vous justifiera. Amen. Et le Seigneur vous bénisse abondamment.
Alléluia. Amen. Oui, j'ai également apporté ma modeste. Oh,
ce moment. Viens quand même, papa, et prends la place du roi. Parle à tes enfants. Inspire-nous aux personnes de directives. Dieu, commence ce moment entre tes mains en paix, et que l'atmosphère soit toujours à l'œuvre. Et que tes enfants sortent avec un plus ce matin. Au nom de Jésus. Je neutralise tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de sonnance, de comparaison, de voyage, de pensée pendant la prédication. Je l'envoie sous la main de la croix. Au nom de Jésus. Père, sois béni. J'amène ton serviteur entre nos mains. Utilise le Père pour le salut des enfants, pour leur bénédiction respective. Au nom de Jésus. Luc, chapitre 24. Luc 24. Luc 24. Alléluia. Amen. Christ dit, il fallait. Yes, Alobi, et Sengela qui? Car c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Si c'était juste après la résurrection, j'ai dit ici c'est juste après la résurrection. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui devait s'accomplir pour Christ? Pardon? Voir l'ensemble ne me suit pas. La Bible dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Qu'est-ce qui devait s'accomplir dans la vie de Christ? Tout ce qui est écrit, au sujet de Christ, devait s'accomplir. Je voudrais vous dire une chose bien aimée. Vous savez, la Bible dit la vie d'un homme parfois ne dépend pas du pain. Mais la vie d'un homme dépend aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit il fallait que tout ce qui était écrit au sujet s'accomplisse. Christ dit, il est écrit pour de moi. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Tel que tu es là. Tu n'es pas un accident sur cette terre. Tu es tout ami sur cette terre. Il a un plan merveilleux. Dans les conseils de Dieu. Il y a quelque chose qui est écrit pour toi. Mais peut-être que tu ne le connais pas. C'est pourquoi la prophétie vient pour te préparer. Il faut dire que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi s'accomplira. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que ça s'accomplisse tout ce que je vous dis, tout ce qui est écrit de moi. Et en commençant par la loi de Moïse. Tout ce que les prophètes ont dit à mon sujet. Même tout ce que l'Esprit de Dieu avait prophétisé au sujet de moi au travers de David. Tout doit s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit l'autre fois. La prophétie de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas annuler. C'est comme l'autre fois, je vous l'avais expliqué que Christ est au milieu de ses disciples. Il a dit, l'un parmi vous me livrera. Les disciples commençaient à s'indigner. Chacun se pointait du doigt, frappait la poitrine en se disant, Seigneur, c'est moi qui te livrerai. Jésus dit, la personne qui trempera la main dans le même plat que moi, c'est celui-là qui me livrera. J'avais dit que Judas était là. C'est ce qui était écrit pour Christ. Judas avait écouté. Il était averti. Il devait prendre toutes les précautions nécessaires. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que la chose venait de Dieu. Lorsque le temps était accompli, Christ, bien aimé,
main au milieu de ses disciples, l'heure de vous célébrer la Sainte Cène a sonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pain était là. Il y avait un plat. On chantait des psaumes et des cantiques comme d'habitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque Christ a trempé sa main dans les plats, au même moment si Judas est venu tremper, c'est comme si une force poussait Judas pour tremper sa main. C'est ça, c'est la force et la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie rassemble les éléments pour accomplir la volonté de Dieu. Quel est le pays ou pas bien-aimé dans le monde? Qui est écrit dans les conseils de Dieu pour toi? Et comment la conseil dans un peu s'accomplira toujours? Et coco qui quelque chose est écrit pour toi? Bambatelo comment que coco et comment ma dans les conseils de Dieu il y a quelque chose qui est écrit. La conseil dans un peu comment que comment ma pour toi? Doit s'accomplir. Y a moi coco qui sama. Car ta vie n'est pas seulement de pain. Bambatelo moi il est tellement patin. Mais de toute parole qui sort de la bouche de quand si malobanio soit ça comme il malobanio dans un peu. Dieu a écrit pour toi. Bon moi il n'est pas que de pain de la haute dans un peu pour nous. Son conseil éternel. Oh on zamba décidé. Il a un plan merveilleux pour vous. Et ça, c'est le début bien-aimé dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est que le début. Le Saint-Esprit d'ailleurs me conduit. Je voudrais dire aux gens qui viennent de témoigner ici ce matin. Mon livre Saint, le Bélingaïnaïb, Sabina Batrotatolina, Témoin Lalélo. Alléluia. Amen. Vous devez préparer une action de grâce pour le Seigneur. Le Seigneur est bon, il s'est amabonza et à coton dans le monde. Il est poussé par le Saint-Esprit. La Tindi Kamina, mon livre, dans le monde. Vous devez préparer une action de grâce pour glorifier le Seigneur pour son église. Bon, il s'est amabonza et à coton dans le monde. Bon, il s'est amabonza et à Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est fort passé. Tango et qui? Je n'ai pas vraiment le temps de développer mon message comme je l'avais préparé. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre parfois par beaucoup de passages bibliques. Alors il me sera peut-être difficile, l'heure est avancée. On va tenter de faire ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Voilà. Nous avons un message à partager avec vous. Sur la vision. La vision des grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais vous dire une chose ce matin. Vous pouvez échapper. Mais retenez cette pensée. Dieu, bien-aimé, est en train d'accomplir des choses inhabituelles. Il va encore opérer de grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu utilise toujours des hommes de vision. Je voudrais vous dire que Dieu cherche des visionnaires. Dieu cherche des hommes qui ont des grandes visions, des grandes ambitions. Il est prêt à accomplir des grandes choses. Dieu cherche des hommes de foi et des hommes ambitieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez me comprendre bien aimé dans le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur fera dans ce monde, sommes encore sur cette terre. Le gars t'as dit là on a moqué. Dépendant de votre foi et de votre vision. Écoutez la condimape et mon Israélabino. Dépendant de votre vision. Écoutez la mondaine et mon Israélabino. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus disait qu'il te fait soit selon ta foi. Yes, qui est ça, mais je voudrais tout d'abord faire donner une définition sur le mot vision, le concept vision. Si nous allons considérer le dictionnaire français, ce qui te coûte la dictionnaire, vision, donc c'est la perception par l'organe de la vue. Voilà, Ezali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le fait de percevoir par l'organe de la vue. Mais bibliquement parlant, nous allons retenir deux petites définitions. Le mot vision signifie aussi. Ce sont des choses que Dieu fait voir en esprit ou par des yeux du corps ou des yeux physiques. On peut par exemple parler des visions des prophètes. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi définir la vision comme étant le plan que Dieu
a établi ou a préétabli pour nous sur cette terre. Et allez faire le col à miango au Zambé à Bongisi pour la vie sur quatre dans mon pays. Pourquoi on peut vous dire non, tel monsieur a saisi la vision de sa vie. Il a découvert ce à quoi il est destiné. Il a compris pourquoi il est appelé sur cette terre. Bien-aimé, je vous l'avais dit l'autre fois. Que si le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé sur cette terre, pour les représenter sur cette terre, car nous sommes ses ambassadeurs. Il préfère de nous, bien-aimés, que la gloire de Dieu doit se répandre dans le monde. Il préfère de nous que le Seigneur peut répandre sa puissance et les merveilles dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a saisi sa vision, c'est quelqu'un bien aimé et qui a compris pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé. Il comprend tout ce à quoi dont il est destiné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne doit pas marcher comme une bête. L'homme doit avoir une vision claire de ce que Dieu doit faire avec Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu voudrait utiliser beaucoup de gens. Il veut faire des miracles et des grandes choses au milieu. Mais bien aimé, nous devons saisir la vision de Dieu. Tu dois saisir la vision de ta fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte avec vous dans... dans deux rois, deux rois au chapitre 13, deux rois chapitre 13, verset 14, 19, jusqu'à 19. Amen. Verset 2 jusqu'à 5. Alléluia. Amen. Il n'a plus confondu. J'aime ce message bien aimé dans les Écritures. C'est un message évangélique. Un message qui vient après Ésaïe 53. C'est-à-dire un message après la mort de Christ. Alléluia. Amen. Quelle belle parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Le message vient juste après la mort de Christ.
On te dit réjouis-toi. Car l'Éternel devient ton époux. Et là, tu mets dans l'espace de ta tente. Là, tu te répondras à toi, tu es à gauche. Ne retiens pas les cordages de ta tente. Car l'Éternel se souvient de toi. Alléluia. Amen. Oh, quelle parole. Alléluia. Le Batistoko. Alléluia. Amen. Nous commençons avec deux rois, chapitre 14. La Bible nous parle du prophète Élisée. La Bible dit qu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut. Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage. Joas, mon conseiller Israël, a yaké pa inaé pa lela kina elongi naé. Ce grand prophète de Dieu Élisée. Nalinga kamo tonazambo Elisa. Bien aimé dans le Seigneur. Balinga mikat nankolo. C'est un juste. Azali motomoyengebe. Vous savez bien aimé la Bible dit. Oui, bi, 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 lo, bi. Dans les psaumes 92. Katina nzembo 92. Le juste croit ou croise comme le palmier. Moyengebe nyako kola lokola nzete na mbila. Il donne encore du fruit même dans sa vieillesse. Akope sa mbumata kola bon pakana. La Bible déclare que Élisée était devenu vieux, il est tombé malade, il devait mourir. Bible lo, bi, Elisa, comment même pendant qu'Élisée était malade, les gens avaient encore besoin de lui. La Bible déclare que pendant qu'Élisée était sur son lit de malade, le roi Jésus était descendu vers lui pour le voir. Car le roi Jésus avait un problème dans sa vie. Juste le problème, un conflit avec les Syriens. Lorsqu'il a appris qu'Élisée tombait malade et qu'il doit mourir, le roi s'est précipité vers le prophète. Il est allé auprès du prophète dire, mais prophète, tu as toujours été l'œil de l'Éternel au milieu de son peuple, de son peuple. Mais lorsqu'il y a un malheur qui veut s'abattre sur son peuple, c'est toi que l'Éternel utilise. Maintenant tu voudrais mourir. Quelle serait la vie ou l'avenir d'Israël? Avenir à Israël, fais quelque chose pour nous. Il est juste cet homme, Élisée bien-aimé. Il est comme le palmier, il croit, il donne encore du fruit même dans sa vieillesse. Même pendant qu'il est malade, les hommes ont encore besoin de lui. Même pendant qu'il est dans la tombe, ses hommes peuvent encore ressusciter le mort. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Les potentialités et les grâces que le Seigneur met en nous, nous pouvons vieillir, mais les potentialités ne vieillissent jamais. C'est pourquoi vous pouvez voir l'apôtre Paul qui dit je suis dans la prison, dans les chaînes, mais la parole de Dieu n'est pas liée. L'apôtre Paul a le bien azali na boloko na minyoko. L'onction et la grâce que Dieu a mise en nous, nous bien aimés, ne tombent jamais malades. Tu peux me voir atteindre de la fièvre, viens, je vais prier pour toi, le Seigneur agit. Même pendant que je suis sur les lits de l'hôpital, viens, je vais prier pour toi. Attends qu'on la mette dans l'hôpital, au lieu d'abord. Car la grâce et l'onction que Dieu a mise à nous ne vieillissent jamais. Pendant que j'étais sur le lit de malade, dans le lit ça qui la mette dans bocono, le roi avait encore besoin de lui. L'Esprit de Dieu pouvait encore faire quelque chose. Même pendant qu'il est dans la tombe, ses hommes peuvent encore ressusciter même le mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il veut mourir, le roi va pleurer sur son visage. Ne nous laisse pas Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on doit pleurer sur un homme de Dieu. C'est comme ça qu'on doit pleurer sur un enfant de Dieu. Lorsque tu veux quitter les gens bien-aimés, les gens pleurent. Ils versent d'abondantes larmes. Lorsque Paul voudrait quitter les églises d'Asie, les gens sont venus, ils suppliaient Paul de ne pas partir. Ils se jetaient à son cou disant Paul ne parle pas. Ils pleuraient parce qu'ils avaient su qu'il avait quelque chose de Dieu en lui. Mais vous, lorsque vous vous déplacez, les gens se réjouissent. Mais ceux qui ont déplacé, ça ne cadre pas avec la profession.
maison de la foi. Quand lorsque nous voulons nous séparer avec les hommes, ils doivent regretter les grâces et les potentialités qui sont en nous. Même les, si les gens doivent se réjouir de ton départ, il y a quelque chose qui ne colle pas. Le roi pleure sur le départ, sur la vie d'Élysée. Ah, le bon roi, char d'Israël, sa cavalier, ne nous laisse pas. Pour Israël, côté Kabisoter. Mais tu as encore quelque chose de Dieu avec toi. Papa dans la liste, les locaux dans la fais quelque chose pour Israël. Dans les locaux pour Israël. Élisée lui dit, Élisée l'obélie. Ah, viens, entre dans ma maison. Yaka kota landa konangai. Prends un arc et puis des flèches. Zolingen dans la yope, zoa flèche. Suis-moi très bien. Landangai malam. Prends l'arc et des flèches. Zoa arc et des flèches. Bande ton arc. Yo, bongisa flèche na yo. Ouvre la fenêtre. Fongo la fenêtre na yo. En direction des Syriens. Kuna lanzela na wasulia. Jette la flèche. Titika flèche na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi obtempéré. Mokozi andimaki yango. Il a jeté la flèche. Abwaka ki flèche na yo. Et il lui dit. Elisa l'obélie. C'est une flèche de délivrance que tu viens de jeter. Wale zali flèche yako kango la mao. Quand l'éternel t'ouvre une porte maintenant. Tu vas battre les Syriens. C'est la délivrance que l'éternel te promet. Mais tu dois encore faire une autre chose. Bande encore l'arc. Joali sous arc na yo. Tire maintenant des flèches. Benda ba flèche na yo. Pas en direction des Syriens mais sur terre. Kota lanzela basuli ateme la mabele. Alléluia. Amen. Il a tiré la première flèche. Abeti ayambo. Une deuxième. Abeti amibale. Une troisième. Abeti amisato. Il s'est arrêté. Yasukiwana. Alors qu'il avait beaucoup de flèches en dessin. Zokanda zalakila ma flèche belé la mabele. Écoutez l'indignation du prophète. Yoka le rengali du prophète yoki mabe. L'homme de Dieu s'indigne. Botola zamba yoki mabe. La Bible déclare. Ibe tatoli. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit. Il fallait frapper 5, 6, 7 fois. Et c'est là qu'on a mis dans votre bas. Alors tu aurais battu les souriens jusqu'à l'exterminer. Il y a un gars qui m'a battu les kinos la consigne sa bango. Maintenant tu ne les battras que 3 fois. C'est quand on m'a battu c'est mal mis ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Yoka moringa mikat nankolo. Le Seigneur n'agira jamais en dehors de notre vision. Zambe akosa la telle ibanda na emoni sere na vision. Même la Bible déclare. Yango la Bible est atoli. Le cœur de l'homme médite beaucoup de pensées mais c'est l'Éternel qui donne la solution. Motema na motema zaka makambo ebele. Avant que l'Éternel donne la solution, il faut que l'homme conçoive quelque chose. Et c'est le mot quand Dieu ne fait que pourvoir la besoin de la vision de l'homme. Avant que l'homme Dieu puisse donner la provision, l'homme doit d'abord avoir une vision. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne viendra jamais t'imposer des miracles. Dieu ne viendra jamais t'imposer de grandes choses. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pourquoi même l'Élysée demandait à la femme, à la veuve insolvable, la veuve ou la veuve du prophète. Cette veuve qui avait beaucoup de dettes, Élisée lui a dit quelque chose. Va chez tes voisins. Demande des récipients. Et ne demande pas un petit nombre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien les mains dans le Seigneur. Le prophète s'indigne. Il s'indigne contre le roi. Mais quand tu fais, tu as seulement tapé 3 fois. Il fallait jeter ou taper même 6, 5, 7, 7 fois. Alors que tu as beaucoup de flèches entre tes mains. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un homme de vision. Dieu te donnera seulement 3 victoires sur les sables. Comme tu avais beaucoup de flèches entre tes mains. Si tu as jeté ou tapé 7 ou 10 fois, l'Éternel t'aurait donné une victoire totale sur les Syriens. Tu les aurais battus même pendant 10 fois. Jusqu'à les exterminer. Écoute bien aimé dans le Seigneur. L'évangile qu'Élie avait prêché, c'est le même évangile que Christ est venu prêcher. Si Élie encourageait les hommes à de grandes choses, écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'évangile qu'Élie et Élisée ont prêché, évangile Élie et Élisée et c'est
le même évangile que Jésus-Christ est venu prêcher. Je veux vous dire que le ministère d'Élisée et d'Élie incarne où c'est le type même de Jésus-Christ en nous. Dans le ministère d'Élie d'Élie, c'est là où nous voyons Christ dans l'action du jugement. Car Élisée est un homme de colère et un homme de jugement. Mais lorsque vous verrez le ministère d'Élisée, c'est Jésus-Christ dans sa grâce. Puisque lorsque vous allez bien aimer étudier la Bible, vous verrez que lorsque Élie devrait être enlevé, il avait marché avec Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à Bethel. Ils ont traversé le Jourdain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Élisée va retourner, il a commencé le ministère de la restauration là où Élie avait cessé d'agir. On le voit à Jéricho. Il a saigné les eaux de Jéricho. Il monte à Mati. Alléluia. Amen. Il va soutenir la veuve, restaurer la veuve. Il va multiplier les pains des fils des prophètes comme Jésus-Christ a multiplié les pains dans le désert. C'est pourquoi vous verrez même il ressuscite le fils de la veuve. Comme Jésus-Christ avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même ministère bien-aimé. Voilà, c'est et c'est le même évangile. C'est pourquoi Élisée encourage le roi à élargir sa vision. À percevoir une vision de grandes choses. Quand on lui demande de taper, qui va venir à Beta, il doit taper même 10 ou 5 fois. Et Seigneur Beta, lorsque Christ est venu, vous savez, Christ est celui qui a prêché l'évangile des grandes choses. Alléluia. Amen. Écoutez bien, aimé, lisons psaume 111. Tout le temps, psaume 111. Psaume 111, nous sommes au verset. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Bible est catholique. Que les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et ces œuvres sont recherchées par ceux qui les aiment. C'est pourquoi je voudrais vous encourager ce matin. Bien-aimés dans les élèves, aspirez aux grandes choses. Élargissez l'espace de votre tente. Changez votre manière, votre façon de voir les choses de Dieu. Soyez des hommes ambitieux pour Dieu et avec Dieu. Pensez aux grandes choses, bien-aimés. Si Élisée encourage le roi, a tapé 7 ou 6 fois. Il savait ce qu'il disait. Élisée était celui qui l'homme qui encourageait les hommes aux grandes choses. Il disait à la veuve. Lorsque tu veux voir les miracles dans ta maison. Quand tu as dans ta maison, c'est seulement un flacon d'huile. Élisée lui dit, cela te suffit. Voici ce que tu vas faire. Va au dehors. Tu chercheras des vases. En grand nombre. Alléluia. Amen. Entre ferme ta maison. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que l'huile a commencé à couler. L'huile s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Quand les derniers vases étaient remplis, il manquait encore des vases. L'huile était encore disponible. L'huile coulait encore. L'obstacle c'était quoi? Les vases étaient n'étant pas un grand nombre. Alléluia. Amen. La victoire et la délivrance étaient encore pour les
le roi Joas. Le problème c'était quoi? Le roi Joas avait limité sa vision. Nous ne donnons pas du temps à Dieu d'agir dans notre vie. C'est parce que nous limitons Dieu avec des petites visions. Je connais une église qui je sais à ma tête. Je ne m'en prends pas à cette église. Alléluia. Je ne tiens même pas à rigueur. C'est leur façon de voir. Alléluia. Amen. Le pasteur Moui la connaît l'église en question. Pasteur Moui la yébi église. Une petite église, on a écrit petit troupeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette petite parcelle. Ils appellent le pango moko à moke. Je vous avais dit bien aimé, Dieu commence avec des petites choses. Il Dieu commence par des faibles commencements. Mais lorsque Dieu commence avec des faibles commencements, nous avons dit vu le dimanche, c'est pour nous amener à la grandeur. Car tu es fait notre grandeur bien aimé. Alléluia. Amen. Voilà des hommes qui limitent parfois Dieu. Et ils ont écrit petit troupeau. Vous voulez que Dieu agisse pour ces hommes? Est-ce que Dieu peut encore ajouter des gens dans cette église? Alors qu'ils sont déjà bien limités leur église. Et d'ailleurs la mention l'indique. Petit troupeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons élargi notre espace. Nous avons une grande vision des choses. Vous savez dans Psaume chapitre 2 verset 7 à 8. Psaume 2 7 à 8 et dit demande-moi les nations. Zambalo bi pas demande-moi les quartiers. Zambalo bi quartier. Mais Dieu dit demande-moi les nations. Zambalo bi senganga ibi je te les donnerai pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Pesuka ya mokili pona bozina yo. Si ils encourager les hommes à de grandes choses. Sokeli sa kotindi kabatona makamini. Lorsque Jésus-Christ est venu, tango Yesu ayaki, il a continué à encourager les hommes à penser aux grandes choses. Sokeli kotindi kabatoko banza makamini. Jésus-Christ est bien aimé interdisait aux gens de faire des choses justes et net. Si un homme te demande une tunique, ce qui m'a dit, voilà, il faut lui donner deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui qui a dit à Nathanaël. Jésus-Christ dans le qui Nathanaël. Voici un juif. Talamoyuda. Alléluia. Amen. Au fond duquel il n'y a point de fraude. Katinaye, le coûté salité. Nathanaël s'étonna en disant, d'où me connais-tu? Je t'ai vu lorsque tu étais encore sous les figuiers. Tu es le fils de Dieu, le Christ. Jésus-Christ lui dit, yes, mais ça c'est encore rien. Puisque je t'ai dit que tu es Nathanaël, alors tu dis que je suis le Christ et le fils de Dieu. Je te promets d'ailleurs, viens. Viens, yaka. Tu verras encore de plus grandes choses que celle-ci. Même le ciel s'ouvrira. Où tu verras des anges, les anges descendre et monter. Bien aimé dans le Seigneur, Christ a encouragé de grandes choses. Christ a encouragé ma camomine. Il a même dit que vous des œuvres que moi je suis en train de faire. Alors vous les ferez aussi. Mais vous en ferez de plus grandes que celle-ci. Bien aimé, donnons du temps à Dieu. Donnons à Dieu une grande vision pour qu'il agisse dans notre vie. Pensez à des grandes choses, bien aimé. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, je me rappelle d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 15, dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors car je te donnerai un héritier. La Bible déclare qu'Abraham était dans sa maison, dans sa tente. Abraham dit à Dieu, Abraham a l'obéi Zambé. Oui, je suis d'accord. La longue Isami. Oui, l'héritier en question, c'est Eliezer de Damas qui est dans ma maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car je n'ai point de fils. Dieu lui dit, non, ton héritier ne sera pas
pas Élisée de Damas. C'est le fils qui sortira de tes propres entrailles. Abraham conteste, il dit non. Abraham a l'habité. Non, moi c'est Élisée qui sera mon héritier car je n'ai point de fils. Dieu lui dit sors dehors. Regarde, lève tes yeux, regarde au ciel. Peux-tu compter le nombre des étoiles? Alléluia. Amen. Abraham dit non. Abraham a l'habité. Dieu dit telle sera ta descendance. Zamalobi, l'olengo est au Zamalobi. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu voudrait inculquer une certaine vision qu'Abraham n'avait pas. Zamalobi est au Zamalobi. Abraham avait une vision entre les quatre murs de Satan. Abraham a zaki de moni, c'est le souki nanda. Abraham voyait seulement Eliezer. Yazé, comment la c'est Eliezer? Eliezer, son serviteur. Eliezer, on a zaki mostali. Mais Dieu avait une grande vision qu'Abraham ne comprenait pas. C'est pourquoi la Bible dit Dieu l'amena dehors. Bien-aimé, il doit arriver de sortir parfois de toi-même. Et ce n'est pas de te plonger dans la profondeur de Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux. On me compte la tête pour que les yeux de ton cœur, bien-aimé, puissent souffrir. Puissent illuminer pour que tu puisses comprendre quelle est la grandeur de Dieu pour toi. Que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu voudrait accomplir avec toi. Dieu a envie d'accomplir de grandes choses avec nous. Mais nous devons avoir une vision élargie. Et c'est pourquoi Esaïe nous dit, Esaïe 54, élargie l'espace de ta tente. Car le Seigneur voudrait te visiter. Ne limite pas ta vision, ne limite pas Dieu. Et les visions de grandes choses, bien-aimés. Alléluia. Amen. Soyez ambitieux. Pensez aux grandes choses. Pensez aux grands projets. Alléluia. Amen. Car Dieu n'agira que selon notre vision. Vous savez ce que la plus grosse erreur que nous commettons? Nous pensons, moi je pense que le frère Jerry c'est celui que je vois ici. Pasteur Mayam Mande Ongana Komona. Alléluia. Amen. Le véritable Jerry est à l'intérieur. Véritable pasteur Mayam Bazana Kati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Proverbe 23, verset 7 dit. Il y a un Proverbe 23, 7 et l'obi. Il est tel que sont les pensées dans son âme. En français, l'homme, on l'appelle le subconscient, mais dans des termes bibliques, on dit c'est l'homme intérieur. Il est comme un ordinateur. Il conçoit des choses. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, avant même que l'impudicité ou l'adultère devienne un acte, impudicité comme à Penza. Elle commence par devenir une attitude. C'est quelque chose qu'on doit concevoir tout d'abord. On planifie. Et puis on va accomplir là. Alléluia. Amen. C'est l'homme intérieur qui conçoit. De la même manière aussi avec la vision de Dieu. L'homme intérieur, l'homme spirituel. C'est comme un ordinateur. C'est une potentialité extra que Dieu nous a donné. Nous pouvons l'utiliser pour notre succès, notre réussite. Lorsque nous pensons à des bonnes et de grandes choses, ce sont des choses qui vont se matérialiser dans l'avenir. Ce que nous pensons, nous concevons au-dedans de nous, c'est ce que nous allons voir s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, concevez des grandes visions avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez ce que je suis en train de penser, de méditer. Je médite, vous savez, depuis que j'ai commencé à prêcher ce mois ici, depuis la manière côté à moi, si vous me suivez très bien, je ne fais que vous révolter. Car je prêche à force de ce que je les sens bouillonner dans mon cœur. Je sens un monde de force bouillonner dans mon cœur.
koyoka mokili ya makasi na motema na ngai. Force que le Saint-Esprit anime. Mokili na nguya mo je toujours à la grandeur. Na komola se mo je sens l'air arriver. Na komola tango ko ko. Lorsque j'avais prêché le dimanche ici. Tango la terre qui mo ko. J'avais dit même que je vois la lumière arriver sur toi. Alors va tu être là comme la porte pour y aller. Laisse des portes ouvertes car des nations viendront avec des trésors. Ya pas tu ta porte là ko fonga ma pas ma tête bien comme ça. Ne sois pas stupide comme le roi Joas. Il a fait une potentialité de flèches devant lui. S'il avait tapé 7 ou 6 fois, l'éternel aurait lui donné 6 fois. Victoire mitano. Alléluia. Amen. Conçois et pense à de grandes choses. Banza makambo minene la conçois de grands projets avec lui. Salama projet minene le n'aie pas peur. Kobangate. N'aie pas peur car tu n'es pas seul. Kobangate osayo moko ta. Ce n'est pas toi qui accompliras cela. Yote moto koko ki. Car la Bible déclare. Bible tatoli. Ce n'est ni par ta force. Ezali la nguya na yote. Ni par ta puissance. Ezali la makasi. Mais cela s'accomplira par l'esprit de Dieu. Yote moto ki sama na molimo na zambe. N'aie pas peur bien. Car Dieu a une provision en abondance. Mais Dieu cherche les hommes de vision. Vous savez, si Dieu nous regarde comme nous sommes ici, voit nos petits projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pensons qu'à des petites choses. C'est pourquoi il y a peu de résultats dans nos vies. Y a un résultat, alléluia. Amen. Bien-aimé, pense à des grandes choses. La Bible dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Moi, lorsque j'ai pris, alléluia. Amen. Je me prépare tel que vous me voyez ici. Comme l'a dit le pasteur Tuno l'autre fois. Je me prépare chaque jour tel que vous me voyez.